Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productiveview, le podcast qui vous permet de découvrir des trucs et astuces pour être plus zen et plus organisé. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Hélène Gabas, qui est coach de vie. Je connais Hélène depuis de nombreuses années maintenant. Nous nous sommes rencontrés dans une circonstance tout à fait festive lors d'un pique-nique à Versailles. Et elle a un parcours extrêmement intéressant que je voulais partager avec vous. Bonjour Hélène. Bonjour Priscille, ravie de te revoir déjà. Oui, parce que maintenant que tu es partie dans le sud-ouest, nous ne nous voyons plus beaucoup. Non, effectivement, effectivement. Alors je voulais absolument t'interviewer aujourd'hui parce que je trouve que ton parcours est extrêmement intéressant et pourra inspirer de très nombreuses personnes parmi mes auditeurs et je voulais vraiment partager avec eux. Quand je t'ai rencontrée, donc il y a maintenant 7 ans, pas loin, tu n'étais pas du tout coach de vie, puisque tu es coach de vie depuis 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, donc, quelle était ta situation à l'époque? D'accord, pas de souci. Alors déjà, merci d'avoir repris contact avec moi. Si je peux éventuellement partager mon expérience afin de montrer aux gens qu'il faut toujours croire en soi et qu'elles puissent se faire, enfin que les personnes puissent se faire confiance et avancer dans la vie, même s'ils ont des gros cailloux sur leur chemin, ben voilà, je le fais avec plaisir. Donc en fait, en 2010, avant de te connaître, donc moi j'étais une femme mariée qui avait une vie bien rangée, avec 2 grands enfants qui étaient étudiants, mais qui étudiaient loin de Versailles, c'était la ville où je résidais. Et voilà. Et j'avais un relationnel assez important, et je m'occupais en plus d'une association qui avait pour but d'apprendre la langue française à des étrangers. Voilà. Donc j'avais une petite vie bien rangée, mais bien bien pleine, on va dire ça comme ça. Et du jour au lendemain, j'appelle ça un tsunami, a débarqué chez moi, voilà, et a tout détruit sur son passage comme un tsunami. À tel point que j'ai dû prendre la décision de divorcer. Et à ce moment-là, j'avais toutes les peurs qui venaient à moi parce que je ne maîtrisais plus rien dans ma vie. C'est-à-dire que en tant que coach, maintenant je peux le dire puisque je suis coach, on a ce qu'on appelle une roue de la vie avec plusieurs petits camemberts dans cette roue qui sont la famille, la santé, l'argent, le travail, l'environnement, enfin bon, et j'en passe. Et si j'avais dû à l'époque être coachée, on m'aurait demandé sur une échelle de 0 à 10 à combien tu t'évalues dans ces petits camemberts, petites tranches, j'aurais dit vraiment au maximum à 4 sur 10, en sachant qu'il y en avait certains qui étaient vraiment ouf. Franchement, donc tout était à reconstruire, c'était vraiment un champ de ruines. Côté professionnel, je n'avais pas de travail, donc à l'époque j'avais 46 ans. Il fallait absolument que je retrouve du travail. Parce que tu étais restée mère au foyer, en fait, pendant longtemps. Ah oui, oui, depuis très, très longtemps. C'était un choix et que j'assumais, qu'on assumait et qui m'apportait énormément de plaisir. Et là, il fallait bien se remettre à travailler. Côté relationnel, je dirais que, bon, en voyant le côté positif maintenant, ça m'a permis de faire pas mal de ménage. Beaucoup de personnes traversaient, hein, changeaient de trottoir en me voyant. Côté familial, moi j'avais des enfants qui étaient loin et que je voulais absolument préserver, donc je ne comptais pas sur eux et je ne voulais pas de toute façon. Mm-hmm. Côté santé, alors là, évidemment, il y a eu des répercussions, hein. J'ai perdu pas mal de kilos. T'as dû me voir d'ailleurs assez mince. Je me souviens bien. Oui. Voilà, voilà. Donc voilà, ben tout était à reconstruire, mais vraiment. Hein. Et oui. Et donc tu as décidé à un moment de reconstruire en fait. Oui. J'ai décidé, mais c'est-à-dire que c'est venu graduellement et en même temps dès le départ, j'ai senti que j'avais une force en moi.
Voilà. Et cette force, elle a été en même temps décuplée par le fait que j'ai eu sur mon chemin, et j'ai toujours fait confiance à ma vie, et je voulais absolument vivre heureuse, quoi qu'il arrive. Donc j'ai eu sur mon chemin des personnes quand même bienveillantes. Et j'ai fait attention à elles, et elles sont arrivées. Notamment, alors je vais n'en citer que deux, il y avait une amie qui était japonaise, donc qui faisait partie de cette association à laquelle je lui apprenais le français, justement, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'était l'été, et elle m'a menée au parc du château de Versailles, que tu connais bien, Priscille. Et elle m'a menée juste pour écouter, pour s'asseoir, pour écouter les oiseaux, pour voir les gens qui passent. C'était une forme, en fait, de contemplation, De méditation un peu de aussi. méditation en conscience. Mais moi, je n'en avais aucune, voilà, je ne savais pas ce que c'était. J'étais pas du tout là-dedans. À l'époque, j'étais très cartésienne, et puis ça s'arrêtait là, hein. Mais je le faisais. J'avais besoin d'aide, de toute façon. Donc, je le faisais, je l'écoutais, et petit à petit, oui, effectivement, je me suis aperçue que ça portait ses fruits, que ça m'apaisait. Donc, c'était une des premières choses, il fallait que je sois apaisée. La deuxième personne, c'était une personne professionnelle, une kinésiologue, et elle m'a apporté énormément. J'avais l'image, alors je fonctionne beaucoup par image, mais c'était ce qui me venait à l'esprit. J'étais au bord d'un ravin, et donc il y avait le précipice sous moi. J'ai le vertige, hein, naturellement. Et de l'autre côté, il fallait que j'arrive de l'autre côté du ravin, mais je ne savais pas comment. Et petit à petit, en quelques séances, elle a réussi à me mettre. Alors, c'était pas grand-chose, hein. Il y avait déjà un fil du bord du ravin à en face. Ensuite, il y a eu une corde, puis une planche, ce qui fait que quand je suis partie de Versailles, donc 3 ans après, il y avait même plus le ravin. J'étais vraiment. Ce que j'ai compris après, c'est que ce ravin, c'était cette fissure dans ma vie. Et mais j'en avais pas conscience non plus, hein. J'étais pas du tout là-dedans. Et en fait, ben mon chemin, c'était, il y avait la brèche, c'était comment dire, réparée. Et le ravin, ben il avait disparu, tout simplement. Et je pouvais continuer ma vie. Et ça. C'est une très belle histoire, Hélène, la façon dont tu as Écoute. comblé cette brèche. Et Ouais, donc, même si tu si ça veux. t'a pris de nombreuses années, puisque tu me dis 3 ans, Ouais. mais c'est 3 ans de construction, parce qu'évidemment, on construit pas, on se reconstruit pas en une journée, comme on ne se construit pas une Non, non, journée. non, On peut se non. détruire très rapidement, mais reconstruire, c'est beaucoup plus lent. Non, il faut, s'il y a un maître mot, mais j'en parlerai peut-être à la fin, c'est la patience. Ça, c'est, voilà. Donc j'ai eu effectivement, comme tu me l'as dit, 3 années très sombres. Mais de plus en plus clair. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout, il a fallu que je passe ces années sombres. Mais j'avais cette force en moi et cette énergie. Voilà, je vivais les défis que je devais relever comme une aventure, en fait. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un mot. Après coup, c'est toujours facile à dire. Voilà, Sur le coup, exactement. ça se présente pas forcément comme ça. Ouais. Pas vraiment. Donc voilà, donc la première aventure, c'était la recherche du travail. Indispensable. Et là, j'ai, grâce à une amie également, pu avoir un poste d'assistante dentaire dans un quartier huppé de Paris. Sauf qu'il fallait que je reprenne des études pour pouvoir obtenir un CDI par la suite et avoir vraiment ce diplôme d'assistante dentaire. Donc, me revoilà partie à 47 ans à l'école avec des jeunes femmes de 20-25 ans pendant 18 mois. Et voilà. Et j'ai eu mon diplôme, très fière d'ailleurs, pour pouvoir me dire en fait que rien n'est figé. Rien n'est figé et on peut tout à fait avancer dans sa vie. Voilà. Y croire. Quel que soit l'âge, parce que Et on quel entend que soit l'âge. souvent je suis trop vieille ou trop vieux, c'est plus pour moi, c'est fini. Alors qu'en fait, même si 47 ans c'est pas très vieux, mais il y a plein de personnes qui se mettent des barrières, même beaucoup plus jeunes d'ailleurs que 47 ans. Ben, on peut recommencer, on peut apprendre de nouvelles choses, on peut retourner à l'école comme tu l'as fait,
Et même si ça demande certainement une grande force de caractère de reprendre la discipline, de retourner à l'école et de se retrouver, comme tu l'as dit, entouré de personnes extrêmement jeunes, en tout cas, ça a porté ses fruits. Oui, tout à fait. Mais je pensais à l'époque que je n'avais pas le choix, c'est-à-dire que j'étais encore dans un moule où le plus important, c'était de trouver du travail, de gagner de l'argent, et tout le reste, tout ce qui était les désirs profonds, les envies, ben, c'était quand on avait le temps et quand tout le reste était comblé. Voilà, donc j'étais dans ce moule et ma recherche d'emploi a démarré donc par l'obtention de ce diplôme. Sauf que ce métier ne me plaisait pas. Et j'avais toujours en tête de continuer à être heureuse. Ça, c'était vraiment mon fil conducteur. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un déclic, comme tous les Franciliens qui connaissent le système du métro boulot dodo. Je passais donc mes jours à prendre le train à Versailles, à aller ensuite prendre le métro Gare Montparnasse. Mon cher dentiste, lui, avait entre-temps déménagé et se trouvait dans le nord de Paris, donc j'avais un changement. Et j'ai essuyé quelques grèves, voilà, ça c'est le bonheur des Parisiens. Et un jour de trop, il y a eu une grève qui m'a vraiment arrêtée, mais stoppée net dans un couloir, pardon, où je n'arrivais même pas à accéder au quai pour éventuellement avoir une chance de rentrer dans la rame du métro. Enfin ça, les Parisiens connaissent le principe. Mais moi, je me suis arrêtée. Et j'ai eu un déclic et je me suis dit, stop, stop, c'est pas ta vie. Soit tu continues, comme j'appelais ça, à mener ta vie de rat, 2 fois par jour, et éventuellement tu peux le regretter. Soit tu changes et tu te donnes ce qu'il faut pour être heureuse. Voilà. Et ma vie pour être heureuse ne passait pas par le métro, le train. Et ces allées et venues, voilà. Ça ne me concernait pas, en tout cas, moi, personnellement. Donc, je me suis écoutée. Et donc, ça s'est traduit comment cette écoute? Raconte-nous tout. Ouais, bon, je sais un petit peu, mais... Dès lors où je me suis écoutée, mais réellement, profondément écoutée, tout s'est enchaîné très vite. C'est-à-dire que ce divorce qui n'avançait pas, qui a duré 3 ans, en quelques mois, on m'a dit, ça y est, on m'a donné un rendez-vous et j'ai pu donc avoir ce divorce en poche quelque part. Et je suis après partie au Pays Basque. Alors, pourquoi le Pays Basque? Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi? Est-ce que c'est lui qui m'a choisi? Ça, c'est une grande question. Je sais de toute façon que j'avais besoin d'oxygène. J'avais besoin de nature. J'étais une citadine à part entière dans mon ancienne vie, et du jour au lendemain, je n'avais plus besoin de ça. Et j'avais au contraire besoin, ben, d'océan, de montagne, une façon de me ressourcer, je pense. Donc voilà. Et le Pays Basque, je connaissais un petit peu pour y être allée en vacances, et je me suis dit, allons-y. Voilà. Et j'y suis allée, ne connaissant personne, mais oui, sans peur. Vraiment, je repartais à l'aventure en me disant que tout était à construire de toute façon. Maintenant, je peux dire ici, puisque j'habite à Bayonne, voilà, et très contente d'y être, en tout cas, très très heureuse, voilà. Donc te voilà Et arrivé à Bayonne, nous oui. avoir abandonné tout seul dans la grande ville. Et donc là, comment tu t'es organisée, puisque comme tu le dis, tu n'avais pas spécialement d'attache sur place, c'était encore une Non, nouvelle étape de ton aventure. absolument. Alors il y avait encore une fois, je pense que je me suis moi-même coachée sans le savoir parce que j'attachais de l'importance à pas mal de détails qui pouvaient être des détails mais qui n'en étaient pas justement. Et je me souviens d'un fait marquant chez un ami qui avait un tableau chez lui. Et ce tableau représentait un homme qui marchait sur un chemin droit. Il était de dos,
Sauf que il regardait quand même le spectateur, celui qui regardait le tableau. Il avait la tête retournée. Et dans son regard, il y avait vraiment de la malice, de l'assurance. Enfin, moi, j'y voyais ce dont j'avais besoin, en fait. Et il avait son baluchon sur l'épaule. Et ce tableau, j'ai demandé à cet ami de me l'envoyer en photo. Et tous les jours, avant que je parte, et dès que j'étais installée sur Bayonne, quand j'ouvrais mon téléphone portable, j'avais cette photo devant mes yeux. Ça m'a donné un courage énorme. Et sans le savoir, Tu ouais, faisais de je la visualisation en la fait? visualisation de l'ancrage, j'avais un mentor, c'était cet homme, cette peinture, je ne sais pas. Voilà. Ce qui m'a permis de me poser, déjà, un petit peu quand même, de repérer l'endroit, de me reconstruire, de lire beaucoup, d'apprendre beaucoup sur moi par les lectures, de faire des belles rencontres également, dont une qui m'a dit, mais pourquoi tu serais pas coach? Voilà, très naturellement. Parce que je n'avais plus envie d'être assistante dentaire de toute façon. Voilà. Et cette personne qui m'a dit pourquoi je ne pouvais pas être coach, qui m'a soumis cette idée, personnellement, moi, le coaching, c'était du coaching sportif. Je n'en étais que là. Je ne savais même pas que ça existait, le coaching de vie. Donc, je me suis renseignée parce que j'avais quand même dans l'idée d'aider les gens. Aider les gens d'une manière ou d'une autre. Et ça a toujours été dans mon association auparavant, au cabinet dentaire, les gens venaient me voir, je les écoutais, ils me racontaient leur vie. Et voilà, c'est ce qui se passait à mon bureau d'assistante dentaire. Donc, j'avais quand même cette piste où je me disais, je peux quand même apporter quelque chose aux personnes qui viendraient éventuellement me voir. Mais c'est vrai que tu as une Donc, très c'est grande écoute, tu as une très grande capacité d'écoute et donc ça n'est pas certainement. surprenant. Certainement. Donc voilà. Donc je me suis renseignée, j'ai fait quelques formations et je suis devenue coach de vie. Voilà. Très Tout bien. ça. Et écoute, et tout ça en quoi, en 5 ans? Oui, 5, 6 ans. J'ai même fait d'autres formations. En fait, maintenant, je m'écoute. Et c'est le maître mot de ce qui a pu m'arriver dans ma vie, ce que je ne faisais pas forcément avant, d'ailleurs. J'écoutais plus les autres, mais je m'écoutais pas moi. Donc, je reléguais mes envies et mes besoins vraiment au second plan, alors que maintenant, c'est ma priorité avant d'écouter les autres, c'est être moi-même et être bien. Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est une magnifique histoire. Et donc tu es installée à Bayonne Oui, tout à fait. et tu travailles avec donc des particuliers, tu fais des groupes, ça se passe un petit peu comment ton travail aujourd'hui? Alors en ce moment, je suis donc, alors donc j'ai ouvert un cabinet de coaching avec deux autres personnes. Je travaille en particulier en face à face avec des personnes qui viennent me voir. J'anime également des ateliers autour d'un jeu qui s'appelle le jeu de la source. Qui permet aux personnes de travailler sur elles, mais d'une façon peut-être plus ludique, et qui permet une approche du développement personnel. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, comme moi, il y a 3 ans, je ne savais pas ce que c'était, donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi encore, et qui est présentée donc d'une façon beaucoup plus ludique, mais très, très intéressante et qui peut aller très, très loin. Voilà. Et j'ai également en ce moment mis en place, parce que ça me tient également à cœur, ce que j'appelle des matinées café et chocolat, où je laisse les gens venir dans un café pour prendre voilà, un chocolat ou un thé, peu importe, c'est le matin, une fois par mois, juste dans le but de réunir les gens, d'échanger autour d'un thème. Et de faire que les personnes qui n'étaient pas censées se croisent à un moment donné de leur vie. Parce que ça, je pense que ce que la vie a pu m'apprendre, c'est ça, c'est que toutes les personnes sont importantes et de sortir un petit peu de son champ de vie et de s'ouvrir aux autres. Voilà. Sortir Ouvrir son cœur. de sa petite zone de confort aussi, souvent. Oui, je On l'emploie peut pas dire ça. là. On peut C'est dire ça. professionnel, mais c'est Mais c'est ça. très bien. Ça me rappelle un peu, entre guillemets, nos sorties café du temps d'OVS, Hélène. Mais c'est bien parce que là, avec un but, une discussion, ça me paraît
Une très très bonne idée. Bah écoute, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Alors, vous allez me retrouver sur Facebook. Très bien. Et J'ai un site également. ta page s'appelle Coach de vie. Oui, tout à fait. Hélène D'accord. Gabas, coach de vie. Ok. Tout à fait. Je mettrai le lien, bien évidemment, dans les notes du podcast. Voilà. Et J'ai puis, un site également, voilà. gabas-coachdevie.com. Très Voilà. bien. Donc, on mettra les liens. Et puis, donc, on peut te rencontrer sur Bayonne. Et est-ce que Oui. tu fais aussi des séances virtuelles via des outils comme Skype Alors, ou autre? je peux en faire. Pour l'instant, je n'en fais pas. Le cas ne s'est pas présenté. Mais oui, j'ai l'intention de mettre ça également en place. Bah écoute, Tout à ou fait. alors on peut aller te rendre visite à l'occasion d'un joli week-end à Ah, ben Bayonne, venez au ici. soleil, La près région de la est montagne. Ah magnifique. oui, c'est clair, c'est clair. Écoute, Hélène, ça m'a fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi ce matin et de faire partager surtout ce parcours que je trouve extrêmement intéressant, même si tu paraissais pas tout à fait convaincu que ça puisse avoir un intérêt. Moi, je trouve que vraiment, ça montre déjà d'une part qu'on a en tous en soi la force de faire autre chose quand les circonstances nous y poussent, parce que c'est vraiment là les circonstances qui t'ont forcé à aller puiser en toi ces ressources et puis à imaginer un autre Exact. avenir que celui qui paraissait tout tracé depuis 10 ou 20 ans ou 30 ans. Et Exact. on a tous ça, et il n'est jamais trop tard. On Non. peut toujours rebondir, changer de cap si effectivement sa vie ne nous convient plus. Et alors j'ai noté une phrase que tu as dit à plusieurs reprises et qui m'a beaucoup touchée et que je vais mettre dans les notes, c'est « Je voulais continuer à être heureuse ». Oui. Et c'est une très 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 jolie phrase. Et je Ouais. pense que à te voir toute rayonnante, Je sais tu es pas. arrivée à ton but et tu vas continuer sur ce chemin. Voilà, c'est un long chemin d'être heureux. C'est une forme. Bon, si je peux rajouter deux mots, Bien sûr. oui. Quels que soient les. Enfin, j'appelle ça des cailloux parce que je trouve que c'est une belle image, les cailloux que l'on a sur son chemin, les accepter. Déjà, c'est une première étape, les accepter. Ce qui ne veut pas dire les céder, mais les accepter. Et donc, accepter, ce n'est pas subir. Pour ensuite lâcher prise. Ça, c'est très important. Se laisser. Alors ici, on est à Biarritz, on a ce qu'il faut comme vague, mais c'est aussi une image, se laisser porter par la vague. Ne pas aller contre. Au risque de se faire engloutir, sinon. On a, tu sais, dans ce podcast, deux, trois questions obligatoires. Donc, je vais te les poser. Vas-y, je t'en prie. Donc, la première, c'est quelle est la citation ou le proverbe qui t'accompagne depuis ces années, voilà, qui est toujours Eh ben, présent. c'est simplement une citation que j'ai mise sur ma carte de visite au Verseau. Alors, je vais vous la lire. C'est une citation de Confucius. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Oh, très bien ça. L'importance du chemin plutôt que du but. Hein? Ah, si vous attendez d'être heureux, d'avoir une voiture, je sais pas, de changer d'appartement pour être heureux, voilà. N'attendez jamais. Vivez le moment présent. Alors, très bien, merci pour cette citation. Un livre que tu Oui. nous recommandes, qui est ton livre de chevet ou peu importe, voilà. Alors, il y en a eu beaucoup, mais un qui me parle énormément, c'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est un chaman, qui a écrit peut-être, vous Je note en connaissez même peut-être, temps, hein. ouais, les quatre accords toltèques. Voilà, donc je dirais que La maîtrise de l'amour, c'est le cinquième accord toltèque. Voilà, Ben, c'est toute il une. a sorti le cinquième accord toltèque parce que je Oui. l'ai acheté récemment. Il est Ah, dans ma pile à d'accord. lire. Donc il y a Mais je l'ai pas lu. effectivement, il y a, ben, moi non plus, je dis, il est dans ma grosse pile à lire de l'année. Parce que j'ai une quinzaine de livres, j'en ai déjà fait trois. Et il y a effectivement, voilà, il y a le cinquième accord qui est sorti récemment. Donc, à suivre. À Très bien. Alors, suivre. je note donc La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Très bien. Et puis, dernière question qui nous rapproche plus à la base du blog de Productive You sur un truc, une astuce que tu utilises
qui te permet d'être plus zen, plus organisé, voilà, quelque chose qui marche bien pour toi et qui marchera peut-être aussi bien pour quelqu'un qui nous écoute. Alors, ce n'est pas pour être plus organisé, c'est plus qui marche sur moi et qui va marcher, j'imagine, sur tout le monde, c'est la gratitude. Alors, je m'explique. Dire merci, ce n'est pas si simple que ça, en fait. Et sauf dire merci au boulanger quand vous payez votre baguette de pain, mais c'est pas cette gratitude-là que dont je voudrais parler. C'est exprimer sa gratitude et dire tous les jours merci quand dès le lever à cinq petites choses qui vous paraissent peut-être anodines. Par exemple, ben, je sais pas, merci au fait que je sois encore en vie. Merci au soleil qui est là. Merci parce que je vais faire un podcast avec Priscille. Voilà, par exemple. Mais oui, bien sûr. Et en fait, le fait de dire merci, ça a une conséquence, c'est que ça ouvre le cœur. Voilà. Et c'est ça le plus important. Et j'ai fait cet exercice, moi, quand j'allais pas bien, et parce qu'on m'a dit, on m'a suggéré de le faire. En bonne élève, je me suis dit pourquoi pas, de toute façon ça va pas me faire de mal. Je l'ai fait, je le pratique, mais je le pratique maintenant tellement naturellement que les gens, quand je leur dis merci, ils me disent, pourquoi tu me dis merci? Mais si, si, merci. Merci Priscille. Merci Hélène, merci Hélène. On va s'auto-remercier, mais c'est vrai que c'est un très bon moment. Vraiment, je suis absolument enchantée d'avoir eu cette idée de te dire, Hélène, parce que je te voyais passer dans ton profil Facebook tellement de belles choses que je like très souvent parce que je trouve que Oui, c'est c'est, vrai. ça me parle énormément en tout cas. Oui. Et voilà, donc j'ai été bien inspirée de t'envoyer ce petit mail il y a quelques temps pour te dire, écoute, merci de ce que tu partages et viens maintenant le partager avec d'autres gens parce que c'est très beau, c'est très beau. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup Hélène pour cette interview et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. J'espère que vous avez été comme moi tout à fait enchantée par le parcours d'Hélène. Vous allez pouvoir la retrouver donc sur son site ou sur sa page Facebook. Je mettrai tout ça dans l'article compagnon de ce podcast. C'était vraiment un excellent moment et je suis vraiment ravie d'avoir pu discuter ce matin avec Hélène. Donc cet article, si ça vous plaît, hein, si vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager avec des personnes qui, autour de vous, peuvent aussi avoir besoin d'aller chercher la force en elles. Et de changer parce que voilà, ils se retrouvent dans des situations un peu difficiles et on a tous la possibilité de changer et d'avancer vers un autre chemin qui nous conviendra mieux. Donc partagez-le sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, absolument partout. Et puis si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas d'aller mettre une note, une revue, des étoiles, puisque c'est la seule façon de le faire connaître, hein, c'est de mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Pour ceux qui suivent le blog ou le podcast depuis un certain temps, vous allez voir qu'à présent, dans l'article compagnon, je mets un lien vers une plateforme qui s'appelle Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de contenu sur Internet de recevoir des petits pourboires pour ce qu'ils ont fait, des petits gestes de remerciement de la part de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs. Et moi, ça me permet, eh bien, de participer, du coup, à une partie des frais que j'engage tous les mois, puisque je fais mon activité bénévolement. Et donc voilà, ça permet ensuite de couvrir une partie des frais. Et je le fais aussi, moi, dans un autre but, c'est que je ne souhaite pas devoir mettre de la publicité sur mon blog pour couvrir mes frais. J'aime pas du tout quand je lis un blog et que toutes les 10 lignes, il y a un petit encart avec une publicité ou un truc qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Donc ça me tient vraiment à cœur que vous puissiez aussi, vous, garder cette liberté de ne pas être pollué par de la publicité. Et voilà pourquoi aussi je fais appel à Tipeee pour tenter de couvrir une partie de mes frais. Voilà, c'est un peu long, cette explication. Vous allez voir de toute façon qu'en pied des articles, je mets à chaque fois un petit lien. Donc n'hésitez pas à m'offrir virtuellement un petit café, un petit thé ou autre. Vous verrez, il y a des petites récompenses à chaque fois que je vous propose. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très très vite, donc dans 10 jours, pour le nouvel épisode. Bye bye!